Loumé. À l'heure où le cocorico résonne comme le chant griot dans la savane ancestrale du Togo profond, ils sont des centaines de jeunes et des moins jeunes à prendre d'assaut les installations de ce centre dénommé Swallows. Football. Basketball. Arts martiaux sont en outre disciplines sportives qui y sont pratiquées. La curiosité étant mère des découvertes, nous avons aussi décidé ce samedi matin, déjà à 6h, d'aller constater de visu les coins et recoins de ce lieu d'épanouissement des jeunes Loméens. En accord avec les responsables des lieux, nous avons décidé de commencer par l'espace de vie permettant aux enfants de se reposer entre deux entraînements, la salle de kiné et surtout les quatre vestiaires mis à disposition des jeunes footballeurs. Ici, n'attendez pas à voir les vestiaires du centre de formation de l'Olympique Lyonnais ni du FC Barcelone. Mais des vestiaires qui n'ont rien à envier à ceux des grands clubs subsahariens. L'espace y est bien aéré avec toutes les commodités. Rarissime ou quasiment inexistant dans des clubs de l'élite au Togo, Swallows, à notre grande surprise, dispose pour ses pensionnaires des salles servant d'infirmerie et nous avons fait de l'occasion le larron pour assister à cette séance de soins. Là, c'est avec stupéfaction que nous apprenions que ce sont les médecins et infirmiers d'État qui sont à l'écoute du physique et du psychique des 500 pensionnaires du centre. Ne maîtrisant rien du domaine médical, nous avions décidé de venir ici, à l'autre bout du couloir, où se déroule d'une manière studieuse un cours. Et c'est discrètement que nous entrons et constatons que c'est la salle de cours exclusive pour apprentis gardiens de but. À quoi on fait les reprises ou bien maîtriser ce que le coach nous apprend. Alors, quel est ton rêve, toi? C'est de jouer et de garder les buts, d'aller très loin. Pourquoi pas jouer à des premières divisions qui se trouvent à l'extérieur. Comme quelle équipe? Lyon ou bien pour apprendre à aller encore dans un centre comme Bergerac et autres. Le coup de pied. Oui, il y a autre chose. Oui. À
attirer, à frapper. Donc c'est plus donner le fait à la balle. D'accord? Donc sachez tout simplement que le coup de pied, comme je vous l'ai dit, c'est une petite surface là. Décidé à fouiner le nez de fond en comble dans tout ce qui se fait au Centre Soualouse, nous décidons d'ouvrir les portes des 1001 salles que comporte l'installation. Quelle n'a pas été notre surprise? Des coups théoriques, encore des coups théoriques avant d'aller taper dans la balle. Maintenant, nous allons parler des espaces de contact. Des espaces de contact qu'on a au niveau du pied. On a dit que le pied qui était de. Du talon aux orbes. On a trouvé les 7 soins de contact qui étaient, qui peut me les rappeler. Les 7 soins de contact du pied qui étaient, qui peut me les rappeler rapidement. Oui, là. L'intérieur du pied. L'extérieur du pied. Le cou du pied. Les orteils. Les orteils, pas les orteils. Qui veut l'aider? Qui veut l'aider rapidement? Oui, David. Tout ce que nous faisons, c'est nous reprenons sur le terrain. Il faut que les enfants arrivent à connaître ce que c'est que, par exemple, aujourd'hui, on était en train de parler des surfaces de contact. Donc, on les a expliqué ce que c'est qu'une surface de contact. On a essayé de. Vous étiez là, vous avez suivi avec nous. On a essayé d'élucider les surfaces de contact qu'on pouvait avoir sur le joueur en question. Vraiment, comme on ne peut pas tout faire au même moment, on a certains volets techniques. C'est un thème technique que nous exposons. Nous avons certains thèmes tactiques. Par exemple, parlant des systèmes de jeu, il faut aussi qu'ils connaissent. Et sur le plan physique, comment l'hydratation, le joueur peut s'hydrater par exemple, sur le plan physique. Après un entraînement, combien de temps faut-il avoir un joueur, combien de temps il peut avoir pour récupérer par exemple. C'est aussi un autre thème sur lequel on débat. Et vous allez voir que durant tout le cours, c'est eux-mêmes qui donnent à qui je pose des questions et qui donnent des réponses. Et j'apporte des ajouts, j'apporte des appuis et tout ça. Voilà. Sur l'aire de jeu dédiée à la pratique du football, la chaleur ardente ou la poussière n'ont aucunement d'incidence sur la détermination et l'abnégation de nos valeureux jeunes. Nous les avons retrouvés en atelier dirigé par des éducateurs selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Ainsi, pouvait-on voir la catégorie des élites pour la préformation constituée des U7, U9, U11 et U13 formant l'école de foot et celle des super élites constituée des juniors et des espoirs. Et au vu de ce qui se fait sur la pelouse avec ces multitudes d'enfants, cela doit relever d'une planification et d'une rigueur à faire atterrir un engin sur Mars. Nous n'avons pas 5 terrains, 6 terrains où, comme dans les autres centres où ils ont tellement d'espace. Mais chez nous ici, nous avons un seul terrain. Il faut pouvoir, avec le seul terrain, faire travailler 500 enfants avec plus de 10 catégories. Entre 7h et 10h30 ou 11h si je prends la journée de samedi. Donc, nous faisons preuve d'une planification, d'une organisation méticuleuse. Donc,
c'est là où moi, en tant que DSA, m'interpelle. Il faut pouvoir organiser, il faut pouvoir planifier, faire de telle sorte que aucun aspect de la planification ne soit oublié. Sinon, on va passer à côté de la plaque. Allez, la conduite maintenant. Allez, plus vite. On se fâche pas. On se avec accélération, Ok, lance pas la balle. Merci. Dégagez. Tout avec l'accélération. Donc si nous prenons par exemple la journée de samedi, nos entraînements commencent déjà à 6h00. Les élites et les super élites travaillent. À partir de 7h, les poussins, pupilles, commencent leur entraînement au même moment que Benjamin, une partie des apprentis. À la deuxième heure, les filles viennent, les Benjamins travaillent et la deuxième partie des Benjamins. Et à partir de troisième heure, nous faisons le match là entre les Benjamins, entre les, comment on appelle, les apprentis et une catégorie qu'on aura choisie. Donc pour permettre aux apprentis aussi de se mettre en valeur, puisque c'est la réserve, c'est ces matchs-là qui nous permettent de voir ceux qui peuvent étoffer les catégories respectives. Donc la planification chez nous ici, elle est très importante et de mise. Pendant que les plus jeunes font preuve de bravoure et de ténacité sous le chaud soleil, les seniors sont en salle de gym. Parmi eux, certains monnaient leur talent déjà dans des clubs de la Ligue A et Ligue B du Togo. D'autres ont connu la joie des sélections nationales des catégories inférieures. Comme des enfants prodiges, ils reviennent toujours à la maison s'entraîner. Comme pour leurs jeunes frères, eux également bénéficient d'un programme d'entraînement et de compétition strict. On a un programme d'entraînement. Avec tout de suite, vous avez vu, ils sont allés dans la salle de gym. On les prépare sur tous les plans. Et il y a des compétitions. Par exemple, l'année dernière, on avait joué le tournoi sport FM. Donc, c'est avec ces compétitions qu'on évalue leur performance, le travail qu'on fait. Et sous votre direction, vous avez combien de joueurs dans la catégorie senior? Oui, j'ai 17. Il y a au moins 5 qui sont partis pour les premières et deuxièmes divisions pour cette saison. Donc le reste, ils sont là. Et bientôt, il y a des jeunes qui vont monter. Parce que nous avons une super élite, catégorie super élite. Il y a des jeunes qui émergent là-bas, qui vont rejoindre bientôt l'équipe senior. De temps en temps, on passe à la préformation, à la formation, pour voir comment ça se passe. Centre de référence au Togo, Swallows n'a pas fini de nous surprendre.
Comme au niveau du football, la pratique du basketball est omniprésente dans le centre. Filles comme garçons, jeunes ou moins jeunes, chaque jour on occupe les espaces réservés au ballon orange. Avec la même détermination et abnégation, chacun essaie d'assimiler et de mettre en pratique les directives des éducateurs. Outre le football et le basketball, le Shotokan ou encore le SKI se pratique ici à Soualoz. Sous la direction du maître Prétou, c'est à cœur joie que l'on aiguille son esprit et renforce son âme et son corps. Nous, on travaille ici les mercredis, soir, 15h, et on termine à 17h. Le samedi, à 7h, et on termine à 8h. Ils appliquent très bien les mouvements, et en plus, nous faisons le SKI. Issus des différents couches sociales, parmi ces enfants, plusieurs sont des orphelins ou des enfants aux conditions sociales difficiles. Comme le Père Noël, Soualoz se charge de les prendre en charge. Nous payons l'écolage à ces enfants. Pratiquement 200, 300 enfants là, c'est nous qui avons payé l'écolage cette année. À part l'écolage, nous donnons aussi des vivres et des non-vivres à ces enfants-là. Si ces enfants ont des problèmes, les parents nous appellent, des fois nous-mêmes, il y a l'infirmière qui est là, parce que la cellule sociale est composée d'un infirmier, d'un travailleur social, que moi-même je suis, et d'un psychologue. Que ce soit au niveau de l'infirmier, si l'enfant a un problème, il est malade, les parents nous sollicitent, ils appellent, coach, c'est comme ça que votre enfant est encore tombé malade. Et rapidement, nous faisons appel à l'administrateur, il me dit, allez voir l'enfant, avec l'infirmier, on prend soin de l'enfant. Si l'enfant a un problème à la maison, le psychologue nous aide à discuter avec ces enfants-là pour voir quel problème l'enfant a. Et après tout, le psychologue essaie de remonter le moral de ces enfants-là. Et tout ça, ça passe. L'épanouissement de la jeunesse à travers la culture, le sport et l'éducation reste la pierre angulaire du projet Soualoz, qui sans doute fait la fierté de la nation togolaise. Et pour en savoir plus, nous avons décidé d'aller dans le bureau de l'administrateur principal du centre, Florent Kataka. À l'origine, un certain nombre de jeunes qui aiment la pratique du basketball se sont réunis et ont créé un club qu'on a appelé OBP, Original Basketball Players. Ce club s'entraînait dans le lycée de Hedjranawi. Deux ou trois ans après, ce club a été refondé et s'est transformé en Soualoz, ce qui veut dire les hirondelles. Et à l'époque,
ils étaient surnommés les hirondelles de Kégué. Et ça, je vous parle des années 97. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la formule Swallows a à peu près 22 ans. Et depuis 2013, Swallows s'est ouvert à d'autres disciplines. Un centre de formation de football, en tout cas un semblant de centre a été formé. Et c'est à partir de 2016 que Swallows est rentré vraiment dans sa phase de développement. Fonctionnant avec un plan quinquennal qui connaît de temps à autre des ajustements pour atteindre des objectifs fixés, en termes de perspective, beaucoup de choses sont envisagées pour le développement de Swallows, notamment au plan infrastructure sportive et éducative. Les tribunes sont en construction. Le terrain de basketball doit être une salle digne de ce nom, propre à nous. C'est ça la différence. Et le terrain de football, mettre une pelouse, c'est ça nos perspectives. Et mais les plus fortes perspectives que nous avons, ça nous pilotons toujours nos actions, mais les plus grandes et plus fortes perspectives que nous avons, c'est le devenir de cette jeunesse-là que nous formons aussi, de ces enfants-là, et surtout des plus démunis parmi eux, qui sont dans ce que nous appelons le programme social et qui permet de prendre en charge ces enfants en leur payant les scolarités chaque année, en payant leur fourniture scolaire, en payant les frais d'examen, en leur donnant des soins lorsqu'ils sont malades et en leur donnant régulièrement des kits alimentaires, surtout pour les fêtes, pour être sûr qu'eux aussi ils auront le sourire lors des fêtes. C'est l'épanouissement des enfants d'abord. Une fois que l'enfant est bien éduqué, c'est bon pour la société. Le retour pour nous, c'est l'éducation de ces enfants-là. Permettre aux enfants-là de ne pas être des enfants de rue, de devenir des bandits, des drogués, des prostituées. Parce que si on voit un enfant est au centre ici et que l'enfant voit l'enfant, que l'enfant est en train de quémander, ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour la société. C'est pourquoi nous, tous ces enfants-là qui sont ici, qui sont des démunis, qui sont des défavorisés, nous arrivons. L'administration arrive à ce que nous puissions porter des aides à ces enfants-là, que ce soit à la maison, que ce soit au centre ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on ne cherche pas à gagner de l'argent à partir de ce que nous faisons. On ne cherche pas à vendre entre guillemets des joueurs. On cherche simplement l'épanouissement de ces jeunes-là à travers tous ces aspects. Mais si c'est par le football professionnel, par le basket pro, par le tennis pro, par le karaté, par le taekwondo, par le scrabble, que ces enfants vont s'épanouir en signant des contrats pro, pourquoi pas? Mais pour garantir leur avenir, mieux vaut miser sur leur éducation. Et donc, l'école, la formation, la construction de l'humain à travers les valeurs sociales que véhicule justement le sport. Vous avez vu l'auditorium qui peut prendre 300-400 enfants. On invite aussi des gens, des personnes ressources qui viennent leur parler de la vie. Par exemple, le gardien togolais qui a été blessé en Angola, au Bilalé, on l'avait une fois invité ici. Il est venu parler avec nos enfants pour leur expliquer comment on peut être pro et mais comment on doit faire attention parce que n'importe quand, tu es au top à cause d'un accident tout de suite. Tu redeviens le commun du mortel et comme on l'est tous. Donc voilà l'importance d'avoir des infrastructures solides, propres à nous. Et ça donne quelque chose que tout le monde a besoin, toute organisation a besoin pour évoluer l'indépendance. La plupart du temps, tout ce que nous faisons, c'est basé sur des expériences personnelles et une partie aussi basée sur ce que nous observons à l'extérieur. Nous apprenons de partout. Nous apprenons des autres centres de Lomé, des centres de l'intérieur du pays, des centres d'Afrique et des centres d'Europe.
quand nous avons l'occasion de voyager ou bien d'aller visiter, ne serait-ce qu'au Togo ici, nous allons pour voir qu'est-ce que les autres font. Donc, ces perspectives-là, c'est surtout les infrastructures et continuer par construire le devenir de cette jeunesse, mais le tout, bien construire ce que nous appelons l'académie, pouvoir loger les enfants sur place, ceux qui doivent normalement l'être, et enfin, ce qui nous est aussi important, c'est l'éducation. Nous sommes en train de construire des salles de classe et c'est pratiquement terminé et nous espérons pouvoir le finir et même pourquoi pas l'année prochaine, ouvrir déjà les collèges qui vont permettre d'avoir un système d'internat ici, les enfants iront à l'école et pouvoir aussi s'inscrire dans ce que nous appelons sport-études. Pour preuve que Swallows est un projet bien ancré au sein de la communauté où il est piloté, l'on note la visite périodique des têtes couronnées et des responsables des comités de développement du quartier de Ridranawi. Également, au niveau des parents des enfants, c'est le satisfecit. Je pense que pour les moyens qu'ils ont, quand même, on est satisfait. Nous, on est satisfait. Et on est en contact avec le coach, on a une plateforme pour discuter, pour voir ce qu'il y en est, les séances et autres. Donc pour notre part, ça va. Hein? Mon époux et moi, on est satisfaits en tout cas par rapport au centre. Et on recommande ça aux autres parents pour leurs enfants. Pour vous-même. Allez, c'est bon.